sombra, a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo pues se cae. Pas, je suis presque obligé d'en empêcher parce que la vie sera infernale après, tu comprends, ça sera pire que la vie qu'on mène actuellement. Et on assiste bien à quelques réunions en somme, mais il y a des moments où elle peut pas venir. Alors tu vois, à ce moment je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir sur ce point de vue. Je voudrais méditer et tout ça, oui, puis je me rends compte que quand même j'ai pas le temps et je risque de faire du mauvais travail, quoi. J'essaie bien un petit peu comme ça, mais enfin. Oui, tu as essayé et puis tu en as eu les résultats une semaine après.
Ton chef de service t'envoyait un Oui, mais petit en fait, mot. ça. Oui, mais d'accord, mais tu vois que militer toute seule. Oui, mais en fait, à partir du moment où tu es militant, tu milites toute seule, quoi. Il faut amener les autres, Après. c'est ça le travail du militant, quand même. Si ça ne donne pas une solution, moi, du problème de. Tu crois pas que tu vas aboutir à une solution en militant que. Oui, T'as pas c'est un peu espoir à ça, oui. aboutir. Si, j'ai espoir d'aboutir à quelque chose, mais pas seulement moi, quoi. Surtout à Oui, à faire faire aboutir. profiter les autres, quoi. Faut pas que c'est le seul moyen de s'en sortir, quoi. Pense que on y arrivera, nous, hein. Mais ça va être difficile. C'est difficile. Les hommes, pourquoi rentrer? Ben pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur actuellement? Pourquoi vous avez peur que les On n'a Français pas peur. Nous ne pouvons pas accepter la division. Jusqu'à maintenant, nous avons décidé de la grève ensemble. Nous avons exposé nos revendications ensemble. Nous sommes allés discuter avec la direction ensemble. Et nous devons continuer notre lutte ensemble. S'il y a un vote, il devra être fait ensemble. Nous voulons absolument rester unis. Car la victoire de notre combat d'aujourd'hui dépend non seulement de votre unité à vous, travailleurs, mais dépend aussi de l'adhésion de tout notre peuple, dans sa majorité, à notre programme de rénovation démocratique et socialiste. Ce ne sont pas les minorités qui font l'histoire, ce sont les peuples. Usine supérieure, maroquinerie. Le patron dit, le secret de ma réussite, c'est que je tutoie mes ouvriers. Mais enfin, jamais rien ne s'est fait, par manque de volontaires d'abord. Et puis... Enfin, votre première idée quand même, quand vous avez voulu débrayer, et quand vous avez eu débrayé, ça a été de fonder un syndicat. De un syndicat, de vous renseigner auprès des unions locales. C'était déjà commencé, ça. Hein, oui, on avait déjà décidé, mais le coup de la grève nous a beaucoup aidé. Le coup de la grève nous a beaucoup aidé à démarrer et ensuite à prendre de l'ampleur. Nous avons maintenant 80 personnes qui sont syndiquées. Alors que s'il n'y a pas cette grève... Capitale régionale, Besançon est une des villes les mieux protégées de France. Un député UD 5e, une municipalité socialiste, elle est la cité du juste milieu, à droite de la France, mais à gauche de la Suisse. Sa population a doublé en 30 ans. 65 000 habitants juste avant la guerre, 130 000 aujourd'hui. Natalité, immigration, exode rural, concentration, rien d'original. Besançon, ville franc-comtoise, ville comme tout le monde. On s'y ennuie le dimanche, pendant la semaine, on y travaille. Textile, métallurgie, bâtiment, mais l'industrie byzantine reste dominée par l'horlogerie. C'est l'œuvre, l'hypnotique. L'hypnose garantit l'heure exacte au troisième top, exactement 13h. Troisième top 13h, LIP, c'est l'heure. Besançon produit le tiers des montres françaises dans une quarantaine d'entreprises, utilisant environ 4000 personnes.
une luxueuse brochure, éditée en 1964 par la municipalité et payée par les banquiers, nous dit avec humour que le travail féminin, qui représente 32% de la population active, fournit à de nombreux ménages un salaire d'appoint appréciable. Ce qui, sans humour, se traduit ainsi. Le travail de précision exigeant une main-d'œuvre habile et docile, les patrons horlogers font appel aux petites mains. Mais de plus en plus, les petites mains portent de grandes banderoles. Cette étonnante brochure dit aussi « Le climat social est relativement calme. Les syndicats n'encadrent qu'une partie des travailleurs, et l'audience qu'ils rencontrent dépend souvent plus du dévouement de quelques responsables que de choix idéologiques. Voici le mouvement ouvrier bisontin exécuté en trois lignes. Nous allons l'illustrer en trois images. Non, je n'ai pas retourné ma veste, a-t-il dit. J'ai changé de pointure pour être plus à l'aise. J'ai pris la taille au-dessus. Oui, en dépit d'une lourde hérédité, le mouvement ouvrier se porte bien ces temps-ci à Besançon, capitale de l'horlogerie. Yema, effectif 217, hommes 97, femmes 120, âge moyen 30 ans, capital 3 millions, chiffre d'affaires 16,5 millions de nouveaux francs, influence syndicale, avant mai 1968, zéro. Aujourd'hui. Une fois qu'on est rentré dans la boîte, qu'on a repris le travail de tous les jours, il a fallu expliquer qu'il fallait s'organiser, tu vois, qu'il fallait élire des délégués du personnel, qu'il fallait créer un comité d'établissement. Et. Enfin, c'est le côté de la préparation des luttes, quoi, si tu veux. C'est le boulot qu'un militant doit faire tous les jours. Et... Ainsi combattent dans les maquis des usines françaises. Les guerriers de la petite aventure. Le syndicat, il vit que par ses syndiqués. Hein. C'est avec l'argent des timbres et tout ça qu'on a les moyens de tirer des tracts et de faire vivre, en somme, le syndicat, tu vois. Et combien est-ce qu'il y a de syndiqués dans ton usine, à la CGT? Actuellement, on est une trentaine. Il y en a eu plus. Au moment de la grève, on était 45, mais... Tu vois, c'est un perpétuel recommencement quand même. Il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des délégués, c'est officiel, d'accord, mais... Tu vois, c'est quand même tout neuf. Et les gens qui ne savaient pas ce que c'était qu'un syndicat et tout ça, ils ne savent pas exactement le rôle du délégué. Mais quand tu expliques des choses, tu as l'impression qu'ils comprennent. On a l'impression qu'ils comprennent, mais on a l'impression aussi qu'ils ne veulent pas, tu vois. On dirait qu'ils ont peur de comprendre. Ce qui est terrible, c'est que les gens croient qu'ils arriveront à se faire une situation tout seuls, tu vois. Il y a cette espèce d'individualisme. Mais ça n'est pas le seul obstacle. Depuis mai, le patron essaie par tous les moyens de ramener les gens à lui et... Il y a le poison. On a eu un emmerdement, tu vois, le patron a essayé bien sûr de présenter une liste bidon, quoi, une liste maison. Et il a fallu lutter contre ces gens-là et expliquer que s'ils ne voulaient pas faire partie d'un syndicat, c'est qu'ils n'étaient pas, comme ils le disent, indépendants, mais ils étaient liés à quelque chose, quoi. Il y a la contre-attaque directe. Cette année, il y a un syndicat, pof, on licencie. Plus l'adversaire se sent faible... Plus il frappe fort, révélant ainsi la réalité de la lutte des classes. Il y a des suppressions de postes ou des trucs comme ça, on déclasse. On déclasse pas n'importe qui, tu comprends? Parce que le patron savait. Tu sais ce que c'est, quoi, dans les petites boîtes, c'est facile à savoir. Hein. Tu vois bien les gens qui vont discuter avec les militants, ou bien quand on vend les timbres, on les vend dans les couloirs, tu vois, ou au vestiaire, quoi, puis ça sait, ça discute. Et... Depuis mai 1968, le patronat se défend le dos au mur. Aujourd'hui, à Yema comme ailleurs, la bataille des idées est engagée. Le fait d'acheter la VO, c'est déjà une prise de conscience. Toute petite, tu vois, mais c'est déjà quelque chose. Sur les problèmes de la vie de tous les jours, tu peux toujours amener la conversation sur un terrain ou syndical ou à un niveau plus élevé, à un niveau politique, tu vois. Garder le contact avec Yema, c'est... Enfin, il faut expliquer aux gens, quoi, dans quelles conditions ils vivent et tout ça. Et à partir du moment où ils ont compris...
ils accepteront de lutter. Et à ce moment-là, il y aura un changement, parce que tout le monde voudra le changement, et ça se fera à partir de là, tu vois. Il faut qu'il y ait une poussée des masses, quoi. Il faut que... On peut pas faire la révolution à trois bonhommes, et puis c'est tout, quoi. Parti communiste français, que le programme d'union de la gauche doit être un calendrier sérieux, un engagement précis, pris devant le pays qui sera le témoin de son respect et de son application, qui précise comment, avec quoi et dans quel délai la gauche va pouvoir satisfaire les revendications essentielles. Il faudra à 2 heures qu'on boucle la grille là, qu'on laisse pas rentrer le personnel là-bas. Il n'y a pas de raison. Si le patron a quelque chose à dire, il a qu'à faire comme nous, il a qu'à monter sur le mur et puis le dire devant tout le monde. Un vote à bulletin secret a été imposé hier par la direction. Nous ne pouvons pas non plus l'accepter. Ce ne sont pas les patrons ni le gouvernement qui ont demandé aux ouvriers de faire grève. Ce n'est pas non plus eux qui aujourd'hui viendront nous imposer la façon dont nous poursuivrons notre lutte pour faire aboutir nos revendications. Parle-moi de ta vraie première prise de parole, je veux te souvenir. Eh bien, la vraie première prise de parole, c'est justement, tu vois, c'est là, parce que quand j'ai vu que ça discutait pas mieux que ça, que les gens se sentaient pas mieux concernés, je suis rentrée chez moi, j'ai essayé de faire une espèce de petit truc, et puis le lendemain matin, quand je suis arrivée au boulot, je l'ai montré à des militants de la CGT qui étaient là, qui distribuaient des tracts. Je leur ai montré ce que j'avais l'intention de dire et si c'était ça, quoi, si c'était bon. Alors ils m'ont dit que oui, je pouvais le faire. Alors je suis montée sur le mur et j'ai parlé au gars de la boîte, quoi, et je leur ai dit que je parlais au nom de la CGT. C'est la première fois que je me suis mis une étiquette sur le dos, quoi. Si nous sommes ici, vous et moi, il faut bien que tout le monde le sache. C'est parce que nous sommes d'abord et avant tout sans haine contre personne. Nous n'en voulons à personne, nous ne voulons rien enlever à qui que ce soit. Ce que nous voulons, c'est que les travailleurs aient un peu plus que ce qu'ils ont, et nous le disons pas tellement plus d'argent, mais plus de considération et plus de dignité. Je voudrais dire pourquoi, au nom de la CFDT, nous vous demandons de continuer la grève. Alors les gars du comité de grève, ils ont senti, tu vois, qu'il fallait qu'ils se lient à un syndicat. Et on a essayé de syndiquer les gars, quoi, alors, enfin moi. Et les autres, il a fallu qu'ils prennent une position. C'est là, il a fallu qu'ils se déterminent, quoi. Qu'est-ce que la sécurité sociale? Nous considérons que tout le monde, riche ou pauvre, a le droit à être soigné gratuitement. Car la santé, ce n'est pas quelque chose que nous méritons. C'est quelque chose qui nous tombe sur le dos, tant mieux si nous l'avons, et quel dommage si nous ne l'avons pas. Faut-il donc que ceux qui soient en mauvaise santé doivent supporter eux-mêmes sur leur salaire les frais des soins? Il y a un truc, tu vois. Je ne sais pas si ces arguments ont porté, tu vois, mais il y a un truc, c'est qu'il a parlé, enfin, longtemps. Il a bien parlé, il a sorti des belles phrases. Et les gens ont l'habitude d'entendre, je sais pas, à la télé ou soit, des gens qui parlent bien. Alors on a l'impression que parce qu'ils parlent bien, même si c'est creux, même si c'est de la merde ce qu'ils disent, on avale tout, tu comprends? Pourquoi quand tu as fait le paragraphe ensemble, on avait l'impression, nous, que c'était pas faible? D'où ça vient? Parce que aussi au moment où je dis ensemble, tu sais, j'insiste vachement. C'est ce que je ressentais le plus, cette histoire de solidarité. Et moi, je voulais qu'on reste ensemble et je l'ai dit peut-être avec plus de force. Parce que tu crois que si les camarades de chez Lip n'étaient pas venus, Ayema ne serait pas de rien, en tout cas pas ce jour-là? Non, pas ce jour-là, tu vois, il n'y avait absolument rien eu, aucune discussion. Mais il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise, tu vois, il n'y avait rien, quoi. Et personne n'en avait parlé. Alors à partir de ce moment, on est rentré dans la cour. Et puis, on a demandé des volontaires pour aller discuter avec le patron. Alors, on a posé quelques revendications sur du papier. Enfin, le patron nous a reçus, quoi, bien sûr. Alors, il a dit, ma foi, venez demain, on donnera une réponse. Alors, on est retourné vers les ouvriers. Et puis, on leur a donné la réponse du patron. Alors là, il y a un gars qui faisait partie de ce comité de grève qui a dit...
qui a dit aux gens, maintenant, on a discuté avec le patron, tout ça, on doit le revoir demain, c'est fini, vous pouvez rentrer chez vous. Alors moi, j'ai essayé de remonter le truc, tu vois, parce que la grève, c'est pas une partie de plaisir, quoi, c'est pas des vacances, c'est pas... Alors j'ai expliqué aux gens qu'ils étaient concernés et qu'il fallait discuter, quoi, qu'on se connaissait pas, tout ça, il y avait des tas de problèmes, mais il fallait qu'on en parle, quoi, qu'on crée un comité de grève, vraiment, tu vois. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la direction se retranchait derrière des décisions gouvernementales. Mais le gouvernement n'a pris aucune décision concernant les revendications essentielles. Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous acceptez de reprendre le travail, vous avez accepté de faire grève pendant 10 jours pour ne rien obtenir. Il n'a pas à dire je vous donne ça ou ça sans passer par les délégués provisoires. Et ça, tous les délégués des votes te le diront, et puis tous les délégués des unions locales le diront, quoi. Ça se fait pas. C'est pas le patron qui va commander la grève, c'est nous. Tout. Il s'avère aujourd'hui que la direction demande la parole sans avoir discuté avec ses délégués provisoires. C'est déjà une preuve que le directeur ne veut pas reconnaître le syndicat au sein de son entreprise. Voyez ce que sera la liberté syndicale à Yéma si nous n'imposons pas notre volonté de la faire respecter. Vous permettez que je prenne la parole. Mais, au nom de la liberté, s'il vous plaît. Bah, allez-y. Écoutez, M. Blum n'a pas exposé exactement, il n'a pas donné satisfaction, d'accord. Mais il est prêt à le faire, ça j'en suis certain. Donc actuellement, les ouvriers, les employés de la Yéma doivent prendre conscience que ce n'est plus un problème social, mais gouvernemental. Absolument pas. Bravo. Pas possible. C'est masqué par des revendications. Donc, silence, s'il vous plaît. Je demanderai à l'heure actuelle aux employés de l'ALEMA de venir s'exprimer librement, immédiatement. Sans contrainte extérieure, parce que les ouvriers sont contraints à l'heure actuelle. Vous vous demandez, vous n'êtes pas contraint de vous exprimer, vous aussi? Non, je ne suis pas contraint. Absolument pas, on n'a jamais vu ce monsieur, on l'a vu jouer. Vous le savez certainement que nous avons affiché que tous les acomptes seront faits proportionnellement aux sommes qui vous reviennent, vous seront donnés au moment habituel. Et il n'a jamais été question de retarder en quoi que ce soit votre paye ou les compléments que vous devez recevoir. Maintenant, ceux qui veulent, je répète, puisque nous n'en avons fini, que ceux qui appartiennent aux entreprises et qui veulent écouter les problèmes propres à l'entreprise, je ne peux pas entrer dans les considérations générales qui sont des considérations qui nous dépassent, qui sont traitées sur le plan parisien, le gouvernement actuel ou futur. Actuellement, je vous demande de venir dans l'entreprise. Si par contre d'autres ne veulent pas, je regrette, je le regretterai, parce que ce sont vos problèmes tout de même, et il ne s'agit pas de faire de la politique. Bon, nous vous faisons confiance, camarade. Je peux diffuser pour les personnes qui sont très loin, qui n'ont pas entendu, que les acomptes seront distribués en date prévue. C'est affiché à toutes les portes. Non, mais tous les gens. Bon, alors, n'oubliez pas que ce n'est pas une fleur de la direction, car toutes les entreprises ont donné des acomptes, voilà. Et ma foi, cet acompte, c'est l'argent que vous avez gagné. Il est donc bien normal que vous l'ayez. Hein? D'autre part, en tant que démocratie patronale, je vous signale que chez Téna et Buti, il y a eu un vote. Et la majorité des ouvriers était pour reprendre le travail. Donc, les gens auraient dû rentrer. Malheureusement, le patron les a foutus dehors. Alors, où est la démocratie? Il voulait ni syndicat, ni politique. Il voulait bien un contact avec les ouvriers, mais sans étiquette, tu vois, sans... Enfin, il voulait quelque chose qui soit dirigé par lui, quoi. Il voulait aussi, pour ce vote, séparer les deux entreprises, tu vois. Alors là, il y a eu une solidarité des ouvriers, et si à un moment, on a cru qu'ils flinchaient et qu'ils se détachaient de nous, tu vois, il y a eu une reprise, si tu veux. Et puis le patron s'est retrouvé tout seul dans la cour, sans qu'il soit suivi par ses ouvriers. Et la reprise, Yéma, raconte-moi un peu, ça s'est bien passé? Oh, c'était un peu décousu, tu vois. Les gars avaient compris qu'ils n'avaient rien eu, quoi, mais il y en a qui étaient prêts à continuer, puis les autres, il y avait une question de fric qui les gênait, alors ils sont rentrés. C'est rentré par petits groupes. Et... La direction, les chefs d'entreprise, enfin tous les cadres, étaient devant la porte en prenant les ouvriers par le bras.
et en invitant les gens à rentrer, quoi. Ils allaient vers les jeunes surtout et ils leur disaient, enfin, voyez, si votre père était là, qu'est-ce qu'il penserait? Comme si les parents voyaient leurs gosses, tu vois. Est-ce que les rapports que tu avais avec la direction avant, mais et maintenant, te semblent différents? Oui, c'est totalement différent, tu vois, parce que avant mai, bah, j'étais une petite employée comme les autres, quoi. 10 février 1965. Madame, nous vous confirmons les conditions de votre engagement dans notre établissement. Emploi, mécanographe, K-160. Salaire mensuel basé sur 40 heures par semaine, 600 francs. Très heureux de vous compter parmi nous et ne doutant pas de vos efforts pour vous adapter rapidement à vos nouvelles fonctions, nous vous prions d'agréer, madame. 26 octobre 1966. Madame, nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficierez à partir du 1er novembre prochain d'un salaire forfaitaire mensuel de 750 francs. Très heureux de concrétiser ainsi notre satisfaction, nous vous prions d'agréer, madame, nos salutations distinguées. 30 janvier 1967. Madame, votre fixe mensuel passera à compter du 1er février 1967 à 800 francs. Janvier 1967. Nous vous rappelons que les primes exceptionnelles et gratifications ne sont pas un complément de salaire, mais une libéralité destinée à récompenser le dévouement et l'ancienneté de chaque intéressé. Nous sommes très heureux de pouvoir ainsi agrémenter les fêtes de fin d'année, et à cette occasion, nous vous présentons nos meilleurs voeux. Et après la grève, est-ce que tu as senti qu'à Yéma, il se passait des choses qui ne se seraient pas passées l'année précédente? Oui, mais ça, évidemment, tu vois, au retour de vacances, par exemple, il y a eu des sanctions prises contre les filles qui étaient rentrées en retard, tu vois. D'habitude, c'est déjà arrivé l'année dernière que des filles, plus tard, entre 2 ou 3 jours plus tard que la rentrée des vacances, et on leur avait rien dit, tu vois, pratiquement rien, on leur a fait un avertissement ou un truc comme ça. Et puis cette année, ça s'est traduit par des licenciements. Et puis, c'est très grave, tu vois, parce qu'on s'est attaqué en particulier aux gens qui étaient syndiqués. Et si tu veux, ça a amené un peu de panique, quoi. Ce qui veut dire peut-être que le patron essaie de casser les syndicats. Oui, ben bien sûr, c'est ce qu'il a essayé de faire. Et à toi, personnellement, j'ai essayé de... Et bien moi, aussi à la rentrée des vacances, on m'a déclassée, tu vois. Parce que mon poste devait être supprimé, et puis on a profité pour me déclasser, pour essayer de me licencier, tu vois. Puis l'inspection du travail n'a pas accepté mon licenciement. Alors, ils ont été obligés de me reclasser dans la boîte, mais à une place, beaucoup plus basse, quoi. Je perdais beaucoup sur mon salaire. Pour quel motif est-ce qu'on a essayé de te déclasser? Le motif que le patron a invoqué, c'était un reclassement. Mais en fait, je crois plutôt, tu vois, qu'il n'a pas admis ce que j'avais fait en mai et qu'on en a profité. Parce que du jour où avant la grève, tu vois, j'avais déjà parlé de syndicat. Et si tu veux, je m'étais déjà montré un petit peu sous mon vrai jour, quoi. J'ai eu des lettres d'avertissement, tu vois, mon travail, ça devenait dégoûtant, tu vois, je travaillais plus bien, quoi, à partir du moment où j'ai dit ce que j'étais un peu, tu vois. Premièrement, vous devez cesser toutes les discussions politiques pendant les heures de travail. Deuxièmement, votre activité de délégué provisoire doit s'exercer dans le temps qui vous est imparti, c'est-à-dire dans la limite maximum de 15 heures par mois. Troisièmement, à plusieurs reprises, vous avez été surprise à lire en cachette des revues ou documentations n'ayant aucun rapport avec le travail. Quatrièmement, nous vous demandons d'être ponctuel. Cinquièmement, nous vous rappelons qu'il est interdit de percevoir des cotisations pendant les heures de travail. Veuillez bien considérer cette lettre comme un dernier avertissement. Veuillez agréer, madame, nos salutations distinguées. 1er octobre 1968. Madame, nous vous confirmons ci-dessous les conditions de votre mutation au service exportation DME. Qualification dactylo débutante, coefficient 123. Salaire mensuel base 40 heures, 549 francs 26. Nous vous informons également que le poste qui vous est alloué implique la connaissance de la sténo.
Veuillez agréer, madame, nos salutations distinguées. Département Europe, direction générale. Pendant 2 mois, on m'a fait faire du boulot dégueulasse. Tu vois, j'étais à l'emballage, au magasin, enfin... Mais maintenant, ça va, quoi. À part cette histoire de fric, ça va. Mais cette histoire de fric, tu perds combien, alors, dans l'histoire? Je perds 250 francs par mois sur ma paie. 250 francs par mois? Et puis tu gagnes quoi? 550 francs net. Et comment ça se passe maintenant avec ton patron? Mon patron, tu sais, il est un peu gratiné, quoi, mais il est comme tous les autres patrons, hein, c'est... Il a un style à lui, quoi, mais la bagarre, elle est la même contre tous les patrons, quoi. Non, si tu veux, j'ai pris une assurance, tu vois. Je discute avec le patron d'égal à égal, comme ça pas à part, tu vois. Et tu vois, c'est assez drôle parce que quand on se rencontre dans les couloirs, il me dit bonjour, mais ce serait plutôt lui qui baisse les yeux que moi, tu vois. Dans un bientôt, j'espère, tu dis une chose frappante, tu dis on travaille dans le vide. Dans un sens, on travaille dans le vide parce que c'est toujours le patron qui bénéficie de ce qu'on fait, quoi, mais c'est toujours lui qui met les bénéfices à sa poche seulement. Dans un autre sens, tu vois, moi je travaille plus dans le vide parce que le boulot de militant, si tu veux, on a l'impression qu'on apporte quelque chose aux gens et on leur fait comprendre des trucs, tu vois. Alors dans ce sens-là, si tu veux, je travaille plus dans le vide. Comment as-tu compensé le déficit de 30 000 francs sur ton pays? Ben, ça s'est compensé, je sais pas, par le contact que j'ai avec les filles, tu vois, cette ambiance d'amitié, avec les ouvrières par exemple. Hein. J'avais pas de contact, on discutait presque jamais, alors que maintenant, on se rencontre dans les couloirs, elles viennent discuter avec moi, on se serre la main, en fait, tu vois. C'est tout à fait une autre ambiance qu'avant à Valmé. Rien pour ça. Ça vaut la peine de perdre 30 000 francs sur le pays. Oui, moi je crois que c'est l'essentiel, quoi, dans la vie. Le fric, bien sûr, il en faut, mais c'est pas tout, quoi. Tu n'as pas de moment de découragement, parfois il est jamais arrivé de penser te tirer de cette boîte, d'aller voir ailleurs et pour essayer de regagner la paye que tu avais. Si, ça m'est arrivé une fois, tu vois. J'avais vu une place sur le journal qui m'aurait intéressé, tu vois, et puis après tout, je me suis dit, essaie, tu vois. Alors, il me semble que je t'en avais parlé, tout ça, et j'ai écrit effectivement à cette place, puis quand je suis rentrée chez moi, tout ça, j'ai pensé, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois, t'as lancé un truc, t'as expliqué au gars qu'il fallait syndiquer, tout ça, qu'il fallait pas avoir peur, et puis, si j'avais quitté, tu vois, j'aurais eu l'impression de les trahir, quoi. S'ils ont un combat à mener, il faut que je reste avec eux maintenant, tu vois, je me sens liée à eux et je dois continuer avec eux. Est-ce que ton patron n'a jamais reproché de faire de la politique? Si tu vois, il y a une fois à une réunion, il a dit, il disait qu'il ne pouvait pas augmenter les salaires parce qu'il fallait des prix compétitifs pour le marché commun. Alors il a dit qu'il fallait que les ouvriers augmentent leur productivité, et donc qui vivent avec les mêmes salaires. Alors moi j'ai dit, ben, vous dites qu'il faut que tout le monde fasse un effort et vous donnez deux efforts à faire, deux efforts de la part des ouvriers. Je dis, mais votre marge bénéficiaire à vous, elle n'a pas bougé, quoi, enfin. Alors il m'a dit, mais madame, vous faites de la lutte de classe, vous faites de la politique, enfin. Est-ce que tu as l'impression de participer à un combat classe contre classe? Vous êtes vraiment des adversaires Enfin, tu vois, il essaie encore de jouer avec le paternalisme, tu vois. Il n'y a pas très longtemps, en sortant d'une réunion, il a dit, vous savez, on ne peut pas se battre, j'en veux à personne, quoi. Même pas à la ZDF, il m'a pris par l'épaule, tu vois, essayant de, tu vois, peut-être de nous amadouer, d'amoindrir la lutte, tu vois, de faire comprendre aux gars que malgré tout, il restait le chef et qu'il les considérait comme des amis, alors que c'est complètement faux, quoi. La lutte, elle existe et il faut que les gars continuent à se bagarrer, quoi. Parle-moi de Picasso. Picasso, c'est si tu veux,
Il y a un truc, c'est un peu Prévert, tu vois. Je sais pas, tu te rappelles peut-être une fois dans un texte Prévert, la jeune infirme dans un jardin public, là, et puis... Oui, c'est ça. Et puis aussi la prunelle verte sur la table. Tu vois, à partir de ce moment-là, tu comprends des trucs. Enfin, moi, j'ai compris des trucs. Parce que tu vois, les artistes, les poètes, ils ont aussi des choses à dire et des choses à exprimer. Et puis, dans la société dans laquelle on vit, tu vois, je sais pas, il y a des conditions telles que les ouvriers, ils croient que la poésie ou la peinture ou ces choses-là, c'est pas pour eux, tu vois. On croit que c'est réservé à la bourgeoisie ou à une certaine catégorie de gens, quoi. Et toi, alors que... tu l'as cru longtemps. Oui, bien sûr, j'ai cru. Et dans le même coup où j'ai découvert, si tu veux, la lutte des ouvriers, je me suis aperçue aussi que la culture, c'était quelque chose et que ça nous apportait effectivement des choses, tu vois. Et que dans le fond, je vois pourquoi on n'irait pas à une exposition de peinture ou on n'irait pas des poèmes ou des choses comme ça, quoi. C'est très important, quoi, cette bataille. Enfin, la CGT se bagarre actuellement, tu vois, pour que les revendications, enfin, si tu veux, culturelles, quoi, que, enfin, je sais pas, les histoires de bibliothèques ou d'expositions dans les boîtes, ça se fasse, parce que c'est très important, quoi, au même titre que l'augmentation de salaire. Et toi, personnellement, tu penses, disons, qu'un poème d'Éluard est au moins aussi important qu'un discours de Sigrid ? Oui, moi, je crois. Et puis, il y a aussi un bouquin que j'ai lu dernièrement et qui m'a emballé, c'est Beau masque de Vaillant. Je trouve que dans ce bouquin, on comprend des tas de choses, tu vois. Et je sais pas, ça peut donner une assurance aux ouvriers, quoi, et leur enlever cette peur des patrons qu'ils ont, cette peur des chefs et des structures. C'est vachement important. Moi, j'ai lu le premier livre que j'ai lu et qui, tu vois, qui m'a enfin, beaucoup plu, c'est La mère de Gorky. Le patron demande la parole au nom de la liberté. C'est pas le patron qui commande la grève, c'est nous. Qu'il monte sur le mur comme tout le monde au nom de la démocratie. Il a écarté nos délégués. Preuve qu'il ne reconnaît pas nos syndicats. Il n'a pas le droit, ça se fait pas. Au nom de la démocratie, quand il y a des licenciements, on ne fait pas de vote à bulletin secret pour demander l'avis des gens. Au nom de la démocratie, ils sont fatigués en ce moment. Versons-leur un acompte, on verra bien. Ceux qui pensent à leur porte-monnaie plus qu'à leurs idées. C'est comme ça qu'ils essaient de nous avoir. Au nom de la démocratie, nous proposer 10% sans l'échelle mobile, on ne nous tuera pas comme ça. On luttera le temps qu'il faudra. Au nom de la liberté, Canal, nous ne pouvons pas accepter la division. Jusqu'à maintenant, nous avons décidé de la grève ensemble. Nous avons exposé nos revendications ensemble. Nous sommes allés discuter avec la direction ensemble. Nous devons continuer notre lutte ensemble.